Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Hein. Désolé, vous allez trouver bizarre que je fasse cette vidéo à cette heure-ci. Voilà. Allô? Oui, reste en ligne. Attends, attends, ne coupe pas. Ne coupe pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je suis en train de... Bonsoir, hein, comment vous allez? Je suis avec vous, hein. Voilà. Je viens avec le FBI par rapport à un truc qui se trame là, que je ne digère pas. Attends 2 secondes, Tafo, ne raccroche pas. Avec un truc qui se trame. Hier, Poil de Carotte qui a appelé le mec qui fait les vidéos là comme Rabador. Voilà, pour essayer de raconter des énormités, parce que Alex Caribou au salut, parce que voilà, le mec qui s'appelle c'est Steve quoi là, qui a fait les vidéos dernièrement pour parler des trucs des vendeuses de piment et tout ce qui va avec le baratin et tout ça. Ça s'est donc passé ainsi. Poil de Carotte l'a appelé. Il y a eu Poil de Carotte qui l'a appelé. Il a causé encore avec bien d'autres personnes. Il essaie de rassembler des informations pour balancer comme il sait très bien faire. Moi, en fait, ce que moi je vais te dire, le mec qui s'appelle Steve Farr, moi je vais te dire un truc. Ce que je vais juste te dire, c'est que tu fais tes vidéos, c'est bien beau, tu fais tes vidéos, ça fait rigoler. C'est drôle, on trouve ça drôle. Mais du moment où tu vas entrer. Attends, voilà. Attends, voilà, ne raccroche pas. Attends, attends, je vais mettre. Du moment où tu vas entrer dans la vie privée, dans la vie intime des autres personnes, sache que ça va pas se passer. Ça va être plutôt des clashs. L'humour, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de venir taquiner les gens, venir insulter les gens. C'est pas ça l'humour. Parce que ce qui est sur Facebook, c'est des clashs. Si tu veux rester dans ton thème de parodie, de rigolade, de blague, de montage, c'est bien difficile de faire les montages. C'est bien beau ton travail. Mais quand tu vas déjà aller où tu es en train d'aller là, parce que je suis au courant de tout, hein. Je suis au courant de tout ce que tu es en train de faire, tes informations que tu prends, tes trucs que tu prends et tout ça. Ça. Et la prochaine personne que tu prépares pour faire la vidéo, c'est Flore. Donc, asseye-toi bien. Asseye-toi bien. Tu as dit que tu as fait les vidéos pour les ministres, ils ne t'ont rien fait. Tu as fait les vidéos pour qui déjà là? Pour le gouvernement, ils ne t'ont rien fait. Ce n'est pas ces petits gens qui vont te faire quelque chose. Les abeilles ne t'ont les a... On envoie les abeilles t'insulter. Allô? On a envoyé les abeilles t'insulter, les abeilles et tout ça. Personne n'a envoyé jamais, on n'a jamais envoyé personne t'insulter. Donc, ta copine n'est pas loin. Ta copine en Allemagne, la soeur de ta femme, elle a soi-disant des ressources humaines ici en France. Elle travaille dans les trucs des ressources humaines ici en France. Peu importe où tu es, pour te connaître, c'est trop facile. Pour te connaître, c'est trop facile. Si tu viens pour insulter Flore, ce que tu es en train de préparer avec Valérie, tu as appelé Valérie. Valérie a Mugouta contacté. Il y a Tchakos avec Juju Kalaba aussi. Et tout ce qui va avec le reste. Moi, je vais juste te dire, faites vos vidéos. Ne commence pas ce que tu as envie de commencer là. Parce que si tu commences ça, on va bien se faire. On va bien se faire ça sur Facebook. Tu vas carrément te perdre. Tu vas carrément te perdre de tes termes. Tu vas aller hors sujet. Tu ne vas plus faire les montages. Mais plutôt, tu vas vraiment faire vraiment que les clashs. Donc, si c'est les clashs que tu veux faire, tu te mets, tu te prépares bien pour les clashs. Ça va se passer. On va aller pas à pas. On va aller détailler. Et je te dis, toi, sa copine, qui est en Allemagne, que... Comme il va commencer, toi aussi tu vas être dans le bain. La soeur de ta femme là, qui est ici en France là, parce que vous connaissez trop bien les gens, toi aussi tu vas être dans le bain. On va s'afficher un pian sur Facebook. On va vraiment faire ce qu'on appelle vie privée détaillée des gens sur Facebook avec photo à l'appui. Donc, prépare bien ta vidéo et lance-la en conséquence de cause. Donc, voilà, je te dis bien, je te préviens que la personne que tu as appelée là, je suis au courant de tous tes coups de fil. Amogou, tu peux continuer à l'appeler. Tu peux continuer à l'appeler si tu veux. Continuer à l'appeler pour lui donner des informations. Aucune de ces filles, aucune de vous n'avez jamais vu Flore. Vous n'avez jamais vu Flore. Et ces vidéos-là, ce n'est pas ça qu'on appelle l'humour. L'humour, ce n'est pas ça. L'humour, ça, ce sont les clashs. C'est une perte de temps. C'est un montage. Moi, je trouve que c'est un montage bête. Faire le montage, c'est difficile, mais c'est bête. Ça n'a pas de sens. Fais des vidéos instructives. C'est quoi le but? Toi, tu n'as pas de vie? Toi, tu n'as pas de vie pour être là à dire que à faire des vidéos. Fais des vidéos, tu parles de ta vie. Fais des vidéos, tu parles de ta vie, de ta galère et tout ça. Vous allez être là tout le temps.
tu es là-bas au Cameroun, tu n'arrives même pas à manger le mitumba. C'est les gens que tu vas prendre du Facebook, fais des montages. C'est tout comme ça que vous voulez vous faire une image avec les gens. Avec les gens. Tu as Yaoundé, ton quartier après Santa Barbara. C'est avant Santa Barbara ou c'est après Santa Barbara? Je ne sais pas trop. Ça m'intéresse pas. Pour te connaître, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Pour te connaître, c'est pas difficile. Et c'est pas le but. Donc, quand tu fais ta vidéo, là, pourquoi pas bien ta vidéo. Steve Fak, c'est Steve Fak là. Fais des vidéos pour poil de carotte comme tu as fait. Oui, encourager les clashs comme vous savez très bien faire. Après, venez dire que c'est nous qui organisons les clashs. Mafou capable, bisous, comment tu vas? Toute la bande là. Toute la bande, je suis au courant de tous vos défilés. Je suis au courant de vous tous. Je vous ai à l'œil. Donc, quand il m'assoit là, quand il m'assoit là, tu ne peux même pas te comprendre. Il y a le truc, le Kamit là. Mais c'était Betty, le Kami. Il y a Brabador. Ils ont fait plus que toi. Ils ont fait plus que toi. Et tu ne fais même rien. Tu ne sais même pas faire. Tu ne sais même pas faire. Ils ont fait. Brabador fait plus que toi. Va te connecter chez l'autre là-bas. On l'appelle Brabador. Tu regardes l'exemple. Peut-être tu as déjà vu. Il fait plus que toi. Ce n'est pas méchant ce qu'il fait. Hein. Ce n'est pas méchant ce qu'il fait. Mais quand, ce qu'il est en train de préparer là. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce qu'il est en train de préparer, je suis au courant de ça. Je parle ma part comme ça avant que ça sorte. Je suis au courant de ça. Donc, au Carguena. Tu étais en conversation avec le grand frère d'un ami. J'ai été au courant de tout. De toute l'histoire parfaitique. De toute l'histoire parfaite. L'histoire parfaite tout entière. J'ai été au courant. Appelez. Appelez. Nuit. Tafo. Mon ami là s'appelle Tafo. Il assume bien. Il assume bien. Oui. Oui. Pousse-toi. Tu as compris, non? Donc, pour pas bien ton direct, pour pas bien ton montage et tout. Tu as prévu ton montage. Quand tu vas finir ton montage, on va aussi faire pour nous. Et qu'elle veut faire pour moi, tu vas voir que tes yeux pour pleurer. Parce que quand moi, je vais faire le montage sur toi, ces gens du gouvernement que tu dis qu'ils te cherchent là, c'est moi qui vais leur donner ton contact, quoi. Comme tu dis qu'ils ne t'ont rien fait là, c'est moi qui vais dire où tu es. Et quand il va te sortir ton adresse, quand il va te sortir ton CV, toi-même tu vas fuir. Donc, attention, ce que tu es en train de préparer là, prépare bien. Personne ne te fabrique. Mais fais tes vidéos là-bas, la con. Je parle ma part. Parce que les aliments déjà avec les poils de carole, les coups de fil là, toute cette bande là. En bon entendeur, salut. Tu as compris. Bonne soirée, je m'arrête là. Parce que Flo n'est pas votre tam-tam. Flon n'est pas votre tam-tam. Anis Atégon, tu as raison, c'est vrai même. C'est vrai. Tu as compris. Ce n'est pas votre tam-tam. L'époque là est finie. Il n'y a plus d'époque là. Le moment là est fini. Non. Son Facebook, je ne prends même plus son nom parce que c'est même la fabrication. Votre tam-tam, il n'y a plus de tam-tam. Maintenant, c'est du tic au tac. Tu sors la carte, tac, on te sort le paquet de cartes. C'est pas un humoriste. J'ai dit que tu sors la carte, on te sort le carton de cartes. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Dès que tu as fait tac, tous tes comptes là vont disparaître sur Facebook. Moi, je prends Gata, tous tes comptes disparaissent. Donc, si tu veux garder, tu gardes. Ça va faire que boum, dès que tu crées un compte, ça disparaît. Boum, dès que tu crées un compte, ça disparaît. C'est comme ça maintenant. On va se faire ça maintenant. Du. C'est un gars là qui fait les vidéos là. Il est en train de préparer une vidéo pour Flo. Merci, Mini, non. Ça suffit. Il exagère. Flo n'est pas le jamais. Eh oui. C'est bon, hein. C'est bon. Maintenant, c'est bon. On en a marre. Elle reçoit les menaces, les insultes de partout, par n'importe qui. Quelqu'un se lève un matin. C'est ça le FBI. On va l'aider à devenir star. Ah oui, hein. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, Sandrine, ça c'est clair.
N'importe qui se lève le matin. Il suffit juste que tu as envie de devenir star. Tu commences à dire Fleur de Lys, Florent de Lys. Mais attendez. Tu sors la bouteille, on te donne le casier. Ça va être comme ça maintenant. Maintenant, non. C'est 2018. Je vous dis où. Je vous dis, c'est maintenant comme ça. Comme j'ai commencé là. C'est comme ça maintenant. Tu me sors, tac. Je te regarde juste comme ça. Il prend mon temps. Je ris, il fait cac. Je te sors. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un maintenant vient pour insulter Flo, qui se prépare bien, hein, parce que maintenant tu insultes, on va sortir aussi ta part, sortir pour ta famille, sortir pour ta grand-mère, pour ton grand-père. C'est comme ça qu'on va faire. Il y a l'autre là. Lolo, j'ai rigolé dernièrement parce que tu as fait une bêtise sans te rendre compte. La personne que tu as insultée, Anne-Marie, où c'est Anne là? Anne-Marie, Anne-Clarisse que tu as insultée là. Cette femme, c'est de ta famille. Tu ne t'es même pas rendu compte. Mais je vais juste. J'espère. Oui. J'espère bien. J'espère bien. Ma faux capable. Tu as insulté. La personne que tu as insulté dernièrement, c'était ta famille. Attends. Elle a insulté. Je parle de Lolo. Attends. Lolo a insulté. Elle a affiché quelqu'un sur son Facebook en pensant qu'elle faisait du mal à quelqu'un. Mais moi, je t'informe aujourd'hui que c'est un membre de ta famille. Cette femme que tu connais. Cette femme que tu as affichée, Anne. C'est ta famille. C'est la première femme, je sais pas. C'est la cousine directe à la première femme de ton grand-père, je crois, un truc comme ça. Donc quand tu insultais, tu avais insulté la mauvaise personne. Et quand cette femme se mariait, toutes tes soeurs étaient présentes. Même celles qui refusent de te voir ici en Europe, elles étaient présentes. Tu avais laissé ta soeur ici. Tu ne t'es même pas rendu compte. J'ai rigolé, ça, pour ça, j'étais regardé, j'ai dit que tu vas afficher toute ta famille sans te rendre compte. Tu vas afficher toutes tes cousines sans te rendre compte. C'est ta famille que tu avais affichée. Je t'informe aujourd'hui. Si tu ne savais pas. Si tu veux, tu demandes à Mangala Tonganès, ta soeur qui est aux États-Unis. Elle va te dire que c'est ta soeur. Et en ce qui concerne, je reviens avec toi. Avec le mec là. Où c'est qui le Camille? La Camille avait fait sa part, non? Il avait fait sa part jusqu'à. Il est même venu là nous insulter. On s'est géré en grand. Il a disparu. Maintenant là, il fait ses vidéos là-bas. On ne lui sent plus. Brabado fait des vidéos même internationales. Papy de Londres, ou c'est DJ de Londres, ils sont calmés. Toi, tu vas venir faire ta part. Tu vas faire ta part, on va voir, non? Tu vas faire ta part. Fais toujours. C'est jusqu'à combien de temps? Quand tu as fini de faire les montages, montage, montage, tu vas encore faire quoi? Quand tu as fini de faire les montages, montage, tu vas faire quoi? Rosine Dia, salut. Fille du soleil. Hein? Djenebali Idjomo, comment tu vas? Donc, laissez un peu Flore en paix. Laissez un peu les gens tranquilles. Tafo va faire le direct. Tafo, j'étais au courant de tout. Nous aussi, on est FB. On travaille aussi au FBI. J'ai pas envie que tes comptes disparaissent. Tes comptes vont pas disparaître pour l'instant. J'attends juste que tu balances ce que tu as envie de balancer là. Tous tes comptes vont disparaître. Et ensuite, je vais faire la vidéo. Celle qui est en Allemagne là, prépare-toi. Hein. Sa copine là, prépare-toi parce que ta part aussi va sortir. Toi-même, tu vas fuir seulement. Ta part va sortir. Même tes soeurs qui sont en France ici, ça va seulement sortir. Donc, fais tes directs, prépare-toi en retour. Donc, bonne soirée à vous. Hein. Je vous adore. Bisous, bisous. Mouah. Je donne. Pour l'instant, sinon, j'ai quelque chose avec Amogou, comme tu peux gérer. J'ai avec elle. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle va causer avec toi. Parce qu'on fait une vidéo comme ça, on prend ton image, on met partout comme ça, se dit n'importe quoi. Je préfère encore comme le monsieur qui fait les vidéos là. Fait les vidéos pour dénoncer les trucs du Cameroun là. Qui a pris ma vidéo pour mettre, pour parler d'un truc. Ça c'est compréhensible. Mais pour toi là, moi je ne peux pas permettre que quelqu'un me prenne pour mettre dans un montage. Ça, si tu me fais ça, écoute, t'es mal barré, hein. Ah non, non, t'es mal barré. T'es mal barré. Ah oui, René Français, ça c'est clair, hein. Salut. Ah ben, c'est quoi? Tous les gens que tu as appelés chauds courants, hein. Continue à appeler pour prendre les renseignements, pour savoir un peu, oui, tes trucs que tu as... Et... Il y a pas... On ne fait pas ça deux fois. Donc, quand moi, je préviens toujours. Hein. Bonsoir, professeur. Je vais très bien. Je suis seulement en train de prévenir. Parce que je vous vois toujours venir. Hein. Et quand moi, quand je vais m'asseoir maintenant, on va dire que, oh, mini-mino encore. Mini-mino, je préviens moi toujours. Oh. Je préviens. Oh.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, Monica. Bonjour, Linda Véronique. Bonjour, Mami Wata. Bonjour, ma Fopeu. Donc, salut, professeur. Comment tu vas? Ça fait un bail, on ne te sent plus là. My person, ni non. Tina Flor, salut. How are you? I'm fine, and you, darling? Sucré Amine, salut. Donc, voilà. Il faut que j'aille faire mon sac pour demain. Jeanne Féval. J'aille faire mon sac pour demain, je ne peux pas. Fille du soleil. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite passer un bon week-end. On se donne. Tu viens de jour en jour plus beau. Hein. Merci. Tu deviens de jour. Merci, professeur. Merci, c'est gentil. Je fais comme toi, non? Si. Elle prononce mon nom. Toi, tu prononces mon nom. Toi, tu t'assois la fille qui est en allemand. Là, jusqu'à tu prononces mon nom. Prononce mon nom dans ta bouche. Hein. Toi, la femme, ou c'est sa femme, ou c'est sa copine, ou c'est son Djombala. Méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Quand tu dis que t'as affaumé, mais non, tu ouvres ta bouche pour prononcer mon nom là. Ne prononce plus mon nom. Vous pensez qu'il y a quoi que vous pouvez parler que je suis pas au courant? Je suis au courant de ta conversation d'aujourd'hui là. De ce que tu as dit là, je suis au courant. Hein. Donc, attention. Hein. Attention. Hein. C'est comme ça que les gens font, ils se retrouvent affichés sur Facebook. Voilà, voilà ça. Quelqu'un reste, tu restes chez toi tranquille. Une fille prend son téléphone avec son ce qui lui sert de gars. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler des gens. Je suis là, revenu d'Afrique, tout recousu, observé pour le moment. Tout recousu. Ok, professeur, c'est normal, hein? Repose-toi. Repose-toi. Bonsoir, Mini Minor. Viens manger la tchéké, poisson, s'il te plaît. Ok, Blaishan, merci, bon appétit à toi. Jean Cancan, il faut déjà se désabonner de son Facebook. J'ai dit désabonnez-vous, c'est clair, Jean Cancan. S'il te plaît, fais un post par rapport à ça. Tu es le communicateur de la PDG. Fais un post par rapport à ça. Parce que ce genre de manque de respect, parce que j'ai été au courant de ce qui est en train de se tramer. J'ai été au courant de tout. Le mec qui prend les informations, qui a appelé, 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 tout ça. J'ai été au courant de ça. J'ai été au courant de ça. Pour l'instant, on se réserve un peu. Non, non, personne ne me signale. Merci, mon frère. Sois béni et protège-toi. Merci, professeur. C'est gentil de ta part. Sois béni également. Tu es une bonne personne. Ça, c'est clair. Au début, on n'avait pas vu comme ça. On ne s'était pas rendu compte. Tu sais, moi, je prends toujours mon temps. Coucou, Reine Galloise, comment tu vas? Je prends toujours mon temps. Mais depuis qu'on s'est fait mordre par plusieurs serpents, je me méfie. J'ai beaucoup de méfiance. Au début, quand tu parlais, tu disais que. On pensait que c'était du mensonge. Mais avec le temps, avec du recul, j'ai compris que c'est réalité. Que c'est réel, en fait, ce que tu veux dire. Et c'est vrai. Je m'en excuse un peu pour le jugement, pour la distance. Mais c'est bien parce que je protège mes amis, je protège les personnes qui me sont chères. Aujourd'hui, Flore, derrière Flore, j'ai connu beaucoup de personnes. C'est derrière Flore que j'ai connu Nelly, c'est derrière Flore que j'ai connu. Chauve-souris, donc beaucoup de gens que je connais, c'est derrière Flo. Oui. Chauve-souris. La chauve-souris. Chauve-souris Barga. L'oiseau de nuit, là. C'est derrière Flo que j'ai connu. Nelly Djoko, c'est derrière Flo. Nelly Linda, c'est derrière Flo. La plupart des personnes que je connais, des noirs que je connais, c'est Flo. Oui. Ne calcule plus les provocations. Il y a trop de méchanceté. Ça, c'est clair, il y a trop de méchanceté. Mais tu sais, les Camerounais, parfois, nous, les Africains, non. Mini-minor, quand tu fais déjà le direct sur lui, tu lui fabriques. Après, je vais supprimer. Après, ça va partir directement à la poubelle. Je ne parle même plus son nom. Je suis à passer dessus. Donc, professeur, tu vois, avec ça, maintenant, si je suis devenu rebelle, j'ai prévenu, j'ai dit au début de cette année que moi, maintenant, quand je vais m'asseoir proprement. Quand je vais m'asseoir sur quelqu'un, je vais m'asseoir. Et c'est comme ça, je prends toujours mon temps. Je prends mon temps de te regarder. Je prends mon temps de. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je prends le temps de regarder. Voir comment la personne réagit par rapport à ses actes. Voir comment la personne. C'est comme ça. Donc, voilà. Les fabriques plus. Là, je suis en train de parler des professeurs. Tu es connecté, tu es en train de me regarder, non? Tu es connecté, tu es en train de me regarder. Toi, la fille du gars, là. Tu es connecté, tu es en train de me regarder. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, bien, comme tu es en train de me regarder là. Regarde-moi bien. La sorcellerie que vous faites la nuit là. Comme tu ouvres ta bouche pour parler de mon nom là. C'est comme ça que moi je vais m'occuper de toi. Je ne suis pas faux, moi j'ai refusé d'avoir honte. Je ne joue jamais. Je suis dur de caractère.
Je suis vrai dans... Ah, ça c'est clair, tu es vrai, hein? Ça c'est sûr, professeur. Professeur, ça c'est pas pour toi, c'est pour la fille là. Toi, la fille là, quand tu ouvres ta bouche là, je ne sais pas, avec tous les garçons de l'Allemagne que tu as accouché là. Toi, la poubelle de l'Allemagne là. Tu n'as même pas honte d'être là, travailler pour nous rien gars avec. Vous les filles là que vous passez, t'as payé les gigolos là. Ou même d'abord le gars que tu nourris même, que tu travailles pour envoyer l'argent. Tu m'épargnes, tu enlèves mon nom de ta bouche. Tu enlèves mon nom de ta bouche. Que ce soit la dernière fois que j'entends mon nom dans vos bouches. Tu t'assois jusqu'à ce que tu prends le téléphone. Et quand même, il y a un tas à faux. Attention. Attention, tu es connecté. Tu es bien connecté en train de me regarder. Donc tu enlèves mon nom de ta bouche. Tu enlèves mon nom de ta bouche. Non, c'est une petite poubelle comme ça là qui vit là en Allemagne là. Une petite sotte. Elle prend carrément le téléphone, elle appelle c'est qui lui sert de gars là, c'est qu'elle nourrit là, la famille là. Prononce plus mon nom, hein. Ne prononce plus mon nom. Parce que j'ai ta conversation téléphonique. Ce que tu as dit au téléphone là, je suis au courant, j'ai ça. Donc fais attention. Fais très attention. Mais c'est quoi ce manque de respect là? On se croit un peu, on se permet de dire n'importe quoi. Donc vous pensez que on dort là? C'est une fille là qui passe son temps à nourrir son gars au Cameroun. Bon, Tchakamougou, c'est comment? Dites-moi, comment va Niamse les gnoc gnoc gnoc? Comment va Niamse les gnoc gnoc gnoc? T'habites où? J'habite où, hein? J'habite où, hein? Tu cherches où j'habite, hein? Mais tu n'as pas vu mon adresse sur Facebook. Eh ben, mon adresse est même sur Google. Tu tapes sur Google, adresse Emily Minon, tu vas trouver. J'ai dit qu'Elisabeth, désactivez-vous de cette page. Désactivez plus de la page de ce mec-là. J'ai juste dit désactivez-vous parce que ce qu'il est en train de préparer là, c'est pas bon. Ponchakamogo, confiance Emily Minon. Tu vas le lait. Non, mais lui, hein, quand tu. Bagagata. Mais non, encore quel mal B. C'est normal, mais non, tu es une star. Hé, maman, je suis quelle star, maman? Je suis star comme toi, Ringaloise. Ringaloise, c'est toi la star. Attends, Ringaloise. C'est toi la star. Toi, tu es une star. C'est toi, on a même parlé de toi comme ça, là. Mais non, star, j'ai, ouais. Je suis. S'il vous plaît, il y a eu un accident grave sur l'axe. Coucou, Mini. Par rapport à ça. Salut Ringalois, c'est comment? Ça va, mon grand? Comment tu vas? Non, je vais bien et toi? Ça va, je suis là. Oh, qui te dérange encore, non? C'est qui encore comme ça? D'abord, tu as dit que tu Maman, ce n'est pas quelqu'un qui me. Il nous dérange, il nous dérange, c'est tout le monde. Oh. Mini Minor de moi, comment tu vas dire Teki? C'est de nous. Bientôt ta part va faire. Bien, tu vas dire que Ringalois tournait les fesses. Hein? Hey, papa, C'est pour comme ça moi, qu'on c'est va un comprendre. problème. Tu n'as pas envie pour moi, ils sont aussi de l'autre côté là-bas jusqu'à. On m'a dit à l'éniché là-bas pour moi, ils sont venus jusqu'à déterrer même ma mère, le père. Où ça? Déterrer ma mère, jusqu'à dire comment ma mère était écrasée par, comme ma mère morte par accident, était morte par accident là, quoi. Tu vois un peu, non? Ils ont dit que ma mère était, que la voiture écrasée, ma mère, qu'on a pris la pelle pour ramasser les miettes de ma mère avec au sol, tout et tout là. Mais Ils je ont dis, sorti ça sur qui comme ça? on m'a dit que c'est, ou bien c'est où là, ou bien c'est quel jour. On m'a envoyé le poste là. J'ai dit, je ne veux pas répondre à personne. Mais ce qui me plaît, c'est parce que personne n'est éternel sur la terre. Nous sommes faits pour vivre après mourir. Tu vois un peu mon grand. Donc, je ne veux même pas, je ne veux jamais répondre, je ne veux jamais les insulter, je veux toujours les respecter. Mais je remets tout dans les mains de Dieu. Jusqu'à dire comment c'est moi qui ai tué ma mère. Voilà pourquoi je suis folle de ça. C'est ça que je suis folle en Europe parce que la mort de ma mère, j'ai tué ma maman, tout et tout là, et tout ça, quoi. Donc, ce n'est pas un problème. Ma mère repose en paix. Au moins, elle, ça fait 7 ans qu'elle est partie. Elle est partie Mèche. avec tous ses problèmes. Elle a laissé le reste sur terre. Moi, je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un sur la toile. Je ne vais jamais insulter. Je ne suis jamais entrée dans les clashs. Mais le fait que j'ai posté la vidéo de j'ai fait un direct sur la veuve joyeuse. N'importe qui s'est levé sur la toile. Même celle que je respectais. Je n'avais jamais Même si menti on du va tout. sourire, t'as insulté. Apparemment, c'est même elle-même qui est en train de dire qu'elle est scotchée à moi. Mais le point, c'est qu'elle ne sait pas que Merde. moi, elle ne va jamais m'avoir. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour lui répondre. Il faut qu'elle sache qu'elle reste toujours une grande soeur pour moi.
Et donc je veux jamais l'insulter, jamais de la vie. Jamais. Moi, je dis, je suis de la team péléjiste. Je suis de la team péléjiste parce que la team péléjiste, c'est une team des gens qui ont l'harmonie, des gens qui connaissent le savoir-vivre, les gens qui n'ont pas la haine dans le cœur. C'est quand tu provoques les membres de la team péléjiste que tu les vois. Donc aujourd'hui, ça devient maintenant que ma mère a été écrasée. On se moque de l'accident de ma mère. On se moque de ma mère parce qu'on a pris les pelles pour ramasser les déchets de ma mère avec au sol. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu qui est au ciel, on parle tout. C'est dans les réseaux sociaux, les gens. Voilà pour les faits, tu vas les dire. Il dit que on montre le mauvais exemple à la femme africaine, ce qui sort de nos bouches, ce que nous parlons des réseaux sociaux. On ne sait pas là où ça va retomber sur nous. On ne sait pas, tu ne sais pas. Personne ne connaît son jour. Personne ne connaît son jour. Moi, je ne connais pas mon jour. Toi, tu ne vois pas ton jour. Si je ne t'ai pas provoqué, je t'ai jamais insulté. Et que tu te lèves, tu dis carrément que ma mère était écrasée et qu'on a pris la pelle pour C'est ramasser, vrai, professeur, ramasser mais ma mère. c'est triste. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur les protège. C'est tout. Mais Dieu merci, ma mère Bagati te fait la vidéo n'a là. C'est celle qui a fait ça, Chauve-souris qui t'a fait ça. Chauve-souris là, jamais cette femme-là, est partie au Cameroun. Chauve-souris à l'époque était au Cameroun. Il y avait un gars qui avait un bar à Koundongo. Chauve-souris a attelé ce mec jamais. pendant des J'ai années. remis tout dans les mains de Dieu. J'ai laissé tout dans les mains de Dieu. Je n'ai jamais Et insulté. après, Jamais. elle était avec Collins. Si tu as connu un gars au Cameroun qu'on appelait Collins, elle a fait un enfant avec ce gars. Cet enfant, cette fille, c'était Mathurin, pardon. Le feu Mathurin perd son âme. Cette femme a fait l'enfant avec ce mec. Elle a empoisonné ce mec. Elle a empoisonné ce mec. Elle a fui. Après avoir, comme elle avait fait à bien tant d'autres, elle a fui pour venir en France. Le mec est mort. Elle n'a pas pu aller au pays. Le père de sa fille. Elle a abandonné sa fille. Il n'a même pas pu finir son immeuble qu'il a construit à cause des chauves-souris que tu vois là. La vraie plaie. Donc, sa part de vie n'est pas mieux. Eh bien, elle a fait beaucoup, elle a enterré beaucoup de personnes au Cameroun. Hein. Sa part de vie n'est pas mieux. Elle a enterré beaucoup de personnes. Elle ne peut même pas. Elle ne peut pas mettre les pieds au Cameroun comme tu la vois là. Elle ne peut pas. Quelqu'un qui a accouché, on dit souvent que d'autres personnes accouchent en Europe, ils ont les chaos. Non. La méchanceté de cette femme, elle est hébergée dans une association. Je me La rappelle mort de la mort. quand Je me rappelle quand cette femme quittait la team péléjiste. Je partais toujours en se direct pour dire, ouais, ma soeur, ouais. Je les appelle mes soeurs. Je les appelle mes frères. Je n'ai jamais offensé quelqu'un. Mais Magaloise, il Magaloise, je vais te dire quelque chose. Hein. Magaloise, écoute, je vais te dire quelque chose. Ta mère est morte, comme tout le monde meurt. On peut mourir d'un accident. On peut mourir dans le feu. On peut mourir dans la mer. La mort, c'est quelque chose de. Je peux dire, on ne peut pas. On va tous y passer. Tu comprends, non? Peu importe la façon dont tu meurs, on mourra tous un jour. Quand tu es ramassé avec la pelle, on te ramasse avec le pancard, on te ramasse avec quoi? On va tous mourir. Donc, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de répondre à ces gens qui se permettent de s'asseoir sur la toile pour se moquer des gens, pour parler de la mort, pour dire, voilà, telle personne est morte, on a ramassé. Ne pleure pas la façon qu'elle est morte. Elle est morte, un point, c'est tout. Tu as fait le deuil de ta mère, tu as pleuré. Aujourd'hui, tu es une maman. Laisse-leur insulter la mémoire des morts. Ils répondront aux morts. Ils auront affaire qu'à la mort eux-mêmes. C'est comme ça. Par la maladie, par l'accident, par quoi, Non. on meurt tous. Je suis sur la toile avec vous, je suis de la team péléjiste. Normalement, ce n'est pas Oui. votre rôle quand vous insultez les gens. Quand quelqu'un vous offense et que vous prenez le direct à répondre à ces gens, c'était dans mon devoir aussi de faire pareil comme vous en tant que membre de la team péléchiste. La MAF même a dit que la Galloise n'entre pas dedans. Toi, mon frère, tu m'as dit que n'entre pas dedans. Donc, je suis dans mon couloir, tu vois, pour mon père. J'ai déjà insulté quelqu'un sur la toile. J'ai insulté la mère de quelqu'un qui a insulté entrer dans ce jeu sur la toile. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que on parle? Il fallait qu'elle m'insulte. Il fallait qu'elle même elle affiche mes enfants, il n'y a pas de problème. Mais parler que ma mère était. Dis que ma mère était morte par accident. Parce que je suis venu vous dire sur la toile, ma mère est morte par accident. Tous ces enfants qui ont perdu leur maman par accident. Tous ces enfants qui n'ont pas eu le temps. Les pleurs d'un enfant qui n'a pas eu le temps de dire au revoir sa mère, de dire au revoir sa maman. Les pleurs d'un enfant, non, qui n'a pas eu le temps de dire Non, ne au revoir, pleure pas. de soigner sa mère, de soigner sa Non, maman. Galois. Les pleurs d'un enfant, non, qui n'a pas eu le temps de soigner, de nourrir, de donner les comprimés à sa mère, de dire à sa mère, maman, bon là, mon feu.
Les pleurs d'un enfant, les pleurs d'une orpheline qui a parlé avec sa mère après 2 heures de temps, 2 heures sur la route de Boué-Bébé, sa mère a rendu l'âme. Et l'accident qui se passe chaque jour au Cameroun, les gens meurent chaque jour par accident. Les gens meurent chaque jour par accident au Cameroun. C'est moi qui tue ces gens-là, me dis, mais non. C'est moi qui tue ces gens-là. Les pleurs, il y a orpheline, orpheline. Il y a ceux qui ont le temps de nourrir leur maman, ceux qui ont le temps d'envoyer les comprimés, qu'on soit les mères avant que les mères meurent. Qu'on soit leur maman. Avant que Dieu appelle les mères, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à ma mère. Je n'ai pas eu le temps de donner le compliment à ma mère. Je n'ai pas eu le temps de dire à ma mère à quel point je l'aimais, de faire un dernier baiser à ma mère. Ma mère est partie brusquement. Je n'ai jamais, Hey jamais Lala, offensé personne sur la écoute-moi, toile. Jamais écoute-moi. de la vie. Jamais. J'ai Galois, laissé tout dans les mains de Dieu. Galois. J'ai laissé tout dans les mains de Dieu, tout. Que le Seigneur juge pour moi. Que le Seigneur me juge, je n'ai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai fait un direct où j'ai soutenu la veuve. J'ai fait un direct. J'ai déjà parlé à cette femme. J'ai déjà insulté cette femme. Qu'elle regardait tous les directs. Voici les j'ai insulté. Hein? J'ai insulté cette femme. Elle me dit, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle me dit, mais non, on a insulté une femme. Tous ces enfants, toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents par accident, ressentent ce que je ressens. C'est une blessure inguérissable. C'est une blessure qu'on ne peut pas guérir. C'est une blessure qui ne s'expliquera. Donc, c'est une blessure qu'on ne peut. Je ne sais pas. Je fais de mon mieux pour vivre heureuse, pour enlever cette pensée parce que ça peut m'appeler, ça peut me tuer. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je les ai fait quoi? Pourquoi ils font jusqu'à dire que ma main a été écrasée et qu'on a pris les pelles pour ramasser le corps de ma maman, pour ramasser le Alors, je vais corps de mon couper. sous-sol? S'il te plaît, ma mère. Le direct, ça me fait. Je vais arrêter. Ne pleure plus, s'il te plaît. Ne pleure plus. Ne pleure plus, s'il te plaît. Tu comprends? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus, sèche tes larmes. Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé. Je vous souhaite passer une agréable soirée. Je vais devoir supprimer le direct parce que, voilà, c'est. Voilà, c'est un peu ça va un peu trop loin. Vous voyez, c'est pareil, hein? C'est pareil, ça va loin. C'est pareil. C'est bon, elle a coupé. Vous irez ça, vous prendrez tout ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Faites des posts pour vous, faites des posts à la con sans réfléchir. Vous qui êtes des mères, tu es une maman, tu as des enfants, tes enfants ont les enfants. C'est ça. Voilà les choses comme ça là. Tu fais pleurer un enfant, tu prends sa mère, et toi qui es à côté, tu rigoles, ça te fait rire, tu fais ki 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 ki, c'est bien. Sèche tes larmes, Galloise, ne pleure pas, sèche tes larmes. Faut sécher tes larmes. Faut sécher tes larmes. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Voyez? Voyez? Vous voyez ce que les autres font subir. Quand on va réagir, on va dire que oh, vous réagissez sur Facebook, vous faites des vidéos pour insulter. Vous voyez? Comment avec cette chose, comment avec ce truc-là, quelqu'un peut rester insensible? Comment quelqu'un peut rester insensible? Comment quelqu'un peut rester insensible? Faire des vidéos, ce n'est pas pour blesser les gens. Ce n'est pas pour détruire les gens. Ce n'est pas comment quelqu'un qui a perdu sa mère par accident. Tu fais un post pour dire qu'on a ramassé sa mère avec la pelle pour donner ce genre de détails. Depuis que je suis sur Facebook là, si ce n'est pas l'autre qui avait insulté ma mère, qui avait traité ma mère de pute là, compresseur, qui avait traité ma mère de pute, je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un. Elle a traité ma mère de pute, j'ai dit, mais attends, ça m'a fait mal parce que sa mère est dans les camions. Je n'avais pas menti que sa mère est dans le camion, sa mère est dans le camion à Bordeaux. J'ai dit, mais attends, ta mère est dans les camions, tu ne peux pas insulter ma mère de pute, ma mère qui n'est qu'une paysanne, qui n'est qu'une cultivatrice, tu insultes ma mère de pute alors que la tienne est dans les camions. C'est ça le truc. Voilà Lolo, sa maman est morte. J'ai jamais insulté sa mère. J'ai jamais dit que ta mère qui est dans la tombe sorte. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait manquer le respect à la mère de quelqu'un parce qu'une maman, c'est sacré. Celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre, c'est sacré. Demain aussi, nous serons parents. Nous sommes parents. On se bat pour nourrir nos enfants. On se bat pour apporter de la connaissance à nos enfants. Si nous, aujourd'hui, en tant que parents, on ne peut pas prendre ses responsabilités, cette initiative, avoir ce cœur, quelqu'un qui a un cœur dans la poitrine en tant que père, en tant que mère qui a eu des enfants,
ne peut pas se permettre de faire ce genre d'acte. On peut faire des vidéos, on peut s'insulter entre nous, on peut faire des rigolades, mais quand vous allez déjà jusqu'à blesser, aller jusqu'à la sensibilité de quelqu'un, aller jusqu'à la tombe, retirer les mains, moi je vous dis c'est méchant. Et moi je sais que cette chose ne vient que de toi, chauve-souris. Parce qu'à l'époque, tu fais partie des personnes qui étaient parties retirer le cadavre encore de la tombe à l'époque, quand il y avait des caches avec les carreaux à Bénin. Tu fais partie de ces personnes qui avaient affiché la tombe du père de l'autre ici sur Facebook. Vous êtes parti jusqu'au village. Prendre le corps dans. Sortir les photos du cadavre. À l'enterrement, tout. Pour venir mettre les cadavres. Prendre l'enfant de Carole Abena, qu'elle avait fait avec Espo de Benz. Pendant la grossesse déjà, vous avez commencé à caractériser, faire jusqu'à faire la sorcellerie. Sortir comment l'enfant devait être décrit quand l'enfant est né avec la tête comme son père. C'est toujours vous. C'est toujours vous. Toujours avec la méchanceté que vous êtes dedans là. Toujours avec la sorcellerie que vous êtes dedans là. Vos ventres vous grattent. Mais mangez même. Allez, vous êtes en Europe, sortez, vous partez manger les blancs comme vous savez très bien faire la nuit. Faites vos sorcelleries, mais laissez les noirs tranquilles. Vous voulez qu'au monde entier. C'est à cause de la faute de quelqu'un si vous n'avez pas réussi. C'est à faute de quelqu'un si vous ne pouvez pas construire vos vies. Les gens se lèvent le matin à 4 du matin pour aller travailler. Les gens se lèvent le matin pour se battre. Les gens font tout. Vous pensez qu'on ramasse ça? C'est le boulot. Tout ce que vous voyez qui se construit là, c'est le travail. Laissons que Facebook, les gens se battent. Vous en voulez Flore, vous en voulez Mini, mais non, vous en voulez tel. C'est le travail. Laissez-moi vous dire, quand vous ne me voyez pas sur Facebook, c'est parce que je suis en train de bosser. Respectez les gens, laissez les gens tranquilles. Et mais pour moi, attendez. Tu es une femme avec un cœur, tu as même des enfants. Je me pose la question, tu es un être humain. Tu es un être humain. Donc pour toi, t'asseoir comme ça, tu oublies que tu as les enfants et tu n'as que des filles. Tu n'as que des filles. Je te dis ça. Ce que tu fais, tes enfants vont les subir. Tout ce qu'on fait, tes enfants vont prendre sur eux. Parce que ta méchanceté n'a pas de limite. Ta méchanceté n'a pas de limite. Ta méchanceté n'a pas de limite. Tes enfants vont prendre ça sur eux. Chaque jour. Chaque jour, tes enfants prendront ça sur eux.